monde. Je vous dis bonsoir parce qu'il est déjà tard, il est passé 22 h et donc je voulais vous faire une petite vidéo très très rapide aujourd'hui pour vous montrer les deux revues anglaises que j'ai reçues. Voilà, et j'en ai recommandé deux autres aujourd'hui. Donc je les aurai dans le courant de la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, je vous les montrerai. Alors, par contre, juste tout de suite, j'ai envoyé un message donc au site internet, car je me suis aperçue aujourd'hui qu'en faisant la commande, les frais de port avaient changé. Donc maintenant, ils font les frais de port plus à la revue, mais au poids. Mais en sachant que si vous commandez une seule revue, là ça revient plus cher maintenant. Donc je leur ai envoyé un email pour avoir l'explication. Donc dès que j'aurai le retour, je vous en parlerai. Parce que là, si par exemple je ne prenais qu'une seule revue, au lieu de 2 livres 50 par revue, là ça me faisait 4 livres 99. Donc pour une ou pour deux revues. Voilà par exemple. Donc du coup j'ai trouvé que là ça faisait beaucoup plus cher si on n'en prend plus qu'une. Bon, c'est pas notre cas, hein, la plupart d'entre nous en prenons plusieurs, mais bon, je voulais quand même avoir une explication. Donc j'attends la réponse de leur email. Et dès que je l'aurai, je vous en parlerai. Voilà. Donc ceci mis à part, là aujourd'hui, j'ai reçu celui-ci. Voilà. J'espère que vous voyez bien, parce que comme on est au soir, voilà, je vais vous montrer un peu plus près. Voilà, alors les tampons de celui-ci, et voilà, donc là c'est une grande planche, une planche à 4. Désolée pour le bruit, et je vais me dépêcher parce que je vois que j'ai pas beaucoup de batterie. Voilà, alors, je vais vous le montrer comme ça. Voilà. Et alors on a du tricot, par exemple ici avec les aiguilles, pelote de laine, un petit crochet, mannequin de couture, il y a des ciseaux, voilà. Après bon, il y a les petits mots hein, comme d'habitude, vous voyez les boutons, les plingues à nourrice, voilà. Et il y a également, par exemple, pour les papas. Faire les cartes pour les papas ou pour un frère, un grand-père, n'importe. Donc c'est des caisses à outils, ça brille, voilà. Donc il y a une caisse à outils, il y a un marteau, tournevis, là il y a la ceinture pour mettre les outils, voilà. Donc là je vais faire des cartes, je vais essayer ce week-end, mais sinon cette semaine je vais faire des cartes avec ce thème justement, et je vous les montrerai, et je vous ferai certainement une carte en tuto. Donc voilà, et voyez le genre de choses que l'on peut faire. Donc avec, je vais vous montrer à l'intérieur du livre comme je fais d'habitude. Alors voyons, qu'est-ce qu'il propose comme carte. Voilà, voyez par exemple ici, voilà, voyez celle-là avec le mannequin de couture. Donc là c'était avec des outils ici. Voilà, voyez, on voit encore une par exemple avec les outils de pour un homme. Et ici donc avec en faisant des cartes checker, voyez, avec la caisse à outils par exemple, les outils, tout ça. Voilà. Bon, désolé, j'ai encore un petit peu la voix qui part en fuit, en vrille, mais bon, ça va mieux. Sinon, j'avais un truc à vous montrer dessus. Ah, voilà, les autres cartes qui font avec ce modèle. Voilà. Donc toujours pareil, hein, il y a toujours d'excellentes modèles de cartes superbes. Il y a quelques petits pas à pas. Voyez ici par exemple, il y a un pas à pas pour une carte papillon. Voilà.
Donc ça n'a pas changé, c'est toujours très très bien. Donc là, j'ai des petites idées et donc faut que je les fasse. Ensuite, pardon, celui-ci. Alors je ne sais plus si c'est. Non, c'est pas un dernier celui-là. Donc c'est numéro 41. Voilà. Voyez. Alors celui-là, j'ai craqué carrément sur la planche parce que elle est vraiment très très belle. Voilà. Est-ce que vous allez bien voir? Oui, je pense. Voilà, regardez la libellule là, elle est juste magnifique. La plume, là c'est une fleur comme un chardon. Là, un fond, vous voyez, un fond de texture, j'ai quand même enlevé le plastique. Allez, viens, petit petit. Voilà. Vous voyez, ici. Ça, j'adore les tampons comme ça. Là, il y en a un en forme de carte postale. Voilà, avec un hello, avec. Bon, toujours les mots, hein, il y a des fleurs. Là, un oiseau. Et un papillon, des fleurs. Allez, je la trouve juste magnifique, cette planche. Et donc les mots, bah, c'est toujours pareil pour les anniversaires, pour journée spéciale. Bon, c'est en anglais. Hein. Donc hello, avec amour, donc white love. Mais j'adore, j'adore. Le papillon est trop beau aussi. Allez, comment il est joli. Super bon. Donc là, avec cette planche, alors là, il va falloir que je regarde parce qu'ils ont fait des cartes, mais avec aussi des émaux. J'ai fait des émaux moi il y a très longtemps. Ça remonte quand j'allais à l'école. On faisait ça le mercredi après-midi. Non, jeudi, je sais plus. J'aimais bien. Et je crois que je regarde. Alors, ici, les modèles qui vous nous ont mis. Voilà, vous voyez. Un exemple comme celui-ci, par exemple. Voilà, dans ce sens-là, c'est mieux. Voilà. Avec le papillon. Voilà, encore avec l'oiseau par exemple. Alors, ça. J'ai vu ce que c'était. Alors, je vais vous refaire par je pense plutôt une vidéo là-dessus. Parce que j'ai regardé sur internet. Et j'adore les anglais. Mais je ne parle pas anglais, mais je les adore. Pourquoi nous on n'a pas ça en France? Alors c'est une. Alors je ne sais pas si à la télé on peut la voir. Bon, je pense que oui, pour mais chez eux. Nous non, on doit la regarder sur internet. Mais c'est une chaîne de téléachat sur le loisir créatif. Il n'y a que du loisir créatif et ils font des tutos en même temps. Donc je vais vous refaire une vidéo demain ou lundi. Spécialement là-dessus et vous verrez que c'est trop trop bien. Donc je reviens à mes cartes. Ah, les filles dormaient, là j'entends qu'elle s'est réveillée. Donc voyez, regardez encore celle-là, elle est super jolie, elle est originale. Donc je ne retrouve plus les cartes à emo qu'ils ont fait. Regardez ça, elles sont trop trop belles. Et comme d'habitude, hein, il y a des superbes cartes. Donc, comme d'habitude, je vais vous mettre le lien de comment des deux revues. Voilà. Et voilà, regardez ce qu'ils font avec. Et vous voyez en bas, il y a un petit pas à pas en photo. Voilà. Vraiment superbe. Et là, les deux que j'ai trouvés aujourd'hui, c'est vraiment pas mal non plus. Donc voilà. Donc là, c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ah ben voilà, j'ai retrouvé celui avec les émaux. Voilà. Ici. Regardez. Voilà.
Donc là, il faut que je vais regarder. Bon, là, je pense pas qu'ils font que de l'émaux. Ça doit être avec une peinture. Mais ça fait comme de l'émaux, là. C'est exactement la même chose. Donc, il faut que je regarde avec quoi ils font exactement. Et puis, je vous expliquerai. Parce que l'émaux, c'est fait à chaud. Donc, il faut un four très très chaud. Et donc là, non, je ne pense pas. Ça doit être une peinture qui remplace pour faire des émaux. Mais je vais regarder. On en reparlera. Ça, c'est pas un problème. Donc voilà. Ben, en même temps, ça m'a permis de vous faire un petit coucou aujourd'hui. Hein. C'est week-end, c'est samedi. Demain, bon, je pense pas que j'aurai le temps de vous faire une vidéo. Par contre, il faut que je range mon. Là, vous voyez, j'ai débarrassé là. J'ai mis sur les côtés, j'ai mis comme ça. Bon, pour pouvoir faire la vidéo, c'est parce que c'est le boxon. Voilà. Et je voudrais faire une page de scrap également. Avec une photo de fifille. Puisque je vais le faire avec les tampons, vous rappelez, ces tampons-là que j'ai acheté cette semaine. Et je vous la ferai peut-être en tuto. Voilà. Enfin, en tuto, je veux dire en direct. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. J'ai toujours pas eu ma commande art bio. Normalement, je devrais la recevoir mardi, puisque le lundi, ils ne sont pas livrés, puisque c'est Mondial Relais. Ça, on en reparle mardi. Je vous ferai une vidéo dessus. Et je vous ferai une petite carte en direct également pour vous montrer comment fonctionnent les encres que j'ai commandées chez eux. Donc voilà. Maintenant, je vais vous laisser parce que je vais aller mettre mon pyjama. Là, aujourd'hui, vous avez vu, j'ai mis un pull parce que j'avais pas chaud. Puis bon, je vais mieux, mais bon, je fais quand même attention. Parce que j'ai encore des grosses quintes de tout. Mais sinon, ça va beaucoup mieux. Ça va mieux que la semaine dernière. Voilà, tout au moins. Allez, je vous fais des gros gros bisous. Je vous souhaite une très bonne nuit. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!